une situation sécuritaire préoccupante. Et donc, ça demande à ce que nous tous à la à même, il y a qu'on comprendre bah, en jeu et que tout ça là en sorte et que rien ne puisse nous échapper. Oui, en tout cas, désolé, il y a un petit souci, il y a connexion. Naza boza kolanda biso bozanga ko partager bande ko bazala ebele parce que c'est une occasion pour nous d'échanger avec vous afin que to yeba ko atteindre notre objectif. Notre objectif ezali ya ko luka ko toucher un grand nombre de Congolais dans le cadre de la sensibilisation. Et cette sensibilisation est allée justement pour accomplir ou atteindre l'objectif ultime où est allée à quoi enclencher l'article 64. Et donc, nous sommes en voie, Yako Mema, peuple congolais, dans la conscientisation, à comprendre Banjeu, à comprendre sa responsabilité et ainsi toyer bako atteindre lingako démontrer la responsabilité, n'est-ce pas? Il y a M. Félix Tshisekedi et son gouvernement par rapport à la problématique sécuritaire. Parce que ça donne l'impression comme si nous mettons fin au M23, désolé en tout cas, les petits soucis à connexion, et ça coincé, Nabisoto Sala. La vidéo telle que nous souhaitons, mais nous voulons assez que Bozala est belé. Alors, aujourd'hui, Tozo Lobela sur la situation sécuritaire dans notre pays et la responsabilité de M. Félix Tshisekedi et de son gouvernement. Ezali sujet moko ezali sensible, te prendre conscience parce que la vie de notre nation en dépend. Alors, Nengeni Tozako Sala vidéo, on va faire notre analyse dans le cadre des réfléchissons ensemble, les réfléchissons bien. Ce que nous vous demandons, c'est d'abord de partager, de vous abonner et de faire en sorte qu'un grand nombre y abattu balance la vidéo parce que c'est très essentiel pour la survie de notre nation. Ozali na possibilité yakobenga yopé en direct, mais joie numéro. Oye ko permettre yo o participer. Na remarque très souvent babenga biso après. Au lieu ko benga pendant que nous sommes en train de faire l'analyse, batu mingi bazaka na tendance ya ko benga biso après. Et cela ne nous permet pas de répondre parce que nous sortons déjà du cadre ya analyse na biso. Prenez le numéro +243 97 034 58 78. Nazako mona bandeko déjà bazako défilé na moni ndeko Kati Njoku. En tout cas, merci beaucoup. Levons-nous et bâtissons, ça c'est le parti. Vous tous qui êtes branchés, nous allons commencer à faire notre analyse. C'est vrai, ça peut apparaître comme des redites, justement parce que l'évolution, il n'y a pas assez d'évolution par rapport à la situation Oyo Tozako connaître dans la partie SRPI avec des innombrables agressions, avec la guerre, les déplacements de nos populations et les conséquences qui en résultent. Alors, la situation sécuritaire ne date pas d'aujourd'hui. Toyebi que notre pays a été secoué depuis les années 1994, lorsque Bomaki, le feu à Biarimana et l'autre président à Burundi, eh ben la partie est à Congo et Komaki ventre mou. C'est ce qui a justifié même l'avènement Yafdel au Zaki. Une mutualisation, il y a force, il y a zone, il m'a tout dit, parce qu'il s'occupe les autres pays au Bazaï qui n'a intention, il y a qu'à faire partie, monsieur Mobutu, au Yazalaki, président de l'époque. Alors,
Merci. Bon aimé, bon aimé, bon partagé. C'est vraiment une très bonne idée, Ndeko Kati Njoku. Aimer, partager, ça serait déjà une bonne chose pour nous. Alors, tant que Makambouane, c'était Salamaki, c'était dans le cadre d'une vision bien précise. C'était justement pour déstabiliser notre pays. Tous les partis politiques, tous les leaders politiques savent qu'effectivement, il y avait des visées, il y avait l'intention, n'est-ce pas? Désolé, il y avait l'intention de déstabiliser notre pays, d'avoir une partie de notre pays. Et la personne qui a donné plus d'éléments d'information, c'était le président en fonction, qui était par ailleurs membre, il y a cette même organisation, il y a AFDEL. Nous parlons là de Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, en tant que membre de AFDEL, connaissait le velléité, il y a tous les pays membres. Et cette réalité faisait assez que les Congolais, en interne, battaient les mains, battaient dénoncer ce qui est mal les alliés que les partis politiques de l'époque, Saliaki, Naba Rwandais, Naba Tuantri Afdel, pour justifier leur combat mené pendant des années parce qu'ils se disaient vaut mieux un chien que Mobutu. C'est-à-dire que les gens ont payé, ont soutenu cette vision pour que Toko Mana situation au Tozaï Nayango Lelo. Alors, pas Sinabi, sur les Ali Boye. Les Ali que pendant toutes ces années, apparemment, les Congolais ne prennent toujours pas conscience. Ne prennent toujours pas conscience par rapport à ces situations. Parce que ce sont les mêmes acteurs, c'est la même vision indécrottable, c'est le même acteur en interne, le même acteur en externe qui formate la situation, qui pose des actes dans l'idée de déstabiliser notre pays. Et ce qui est surprenant, il ne manque jamais, jamais, jamais de collaborateurs ou de collabos. Oyo, Bazaïn a tendance à accompagner Bango. Aujourd'hui, nous sommes en face de la même situation. 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003. Et ça, il sort à Calmi. Tozong est sous 2006, 2007. Tozako continue. Tolongo wana et Salé Akalmi 2012, 2013, 2014. Et Salé Akalmi. Et Zongi Lissou. C'est-à-dire que chaque fois, il y a des Congolais qui se donnent le luxe de soutenir cette réalité. Le mal maintenant, Ezali, ce n'est pas seulement le Congolais lambda. Même le responsable au niveau institutionnel qui font les lits pour le désolé pour la souci à connexion, beau partager, beau aimer, beau liker, beau partager, beau s'abonner, paix et cause à la malam ou mingi pour Nabiso. Cette situation doit s'arrêter. Parce que Bissonion Sotoyebi, que écrié bas dégâts, peut-être que tout le monde va mesurer. Il y a des familles entières, oyo bas bunga, c'est-à-dire que baboma, toute la famille, babomi papa, maman, bana, ba cousin, ba neveu, ba nièce. C'est-à-dire que baboma des familles entières. Oyo ba congolais et sengela ki na biso toza la air moko à un certain moment to se ressaisir. To le plus jamais ça. Parce que si la situation perdure, on ne sait pas et kozwa ba ampleur moussou et ça risque aussi ça freine. Ça freine l'élan. Il y a développement tant souhaité par chacun d'entre nous. Et donc, nous devons essayer de nous ressaisir pour que Toye Bakosa la Makambo, afin que les choses changent pour l'intérêt de tout le monde. Et donc, Ezali passe. Et puis, je crois qu'Ezali, parmi Babiloko, Batunion, Sobadago, Sepelate, Ezali, le fait de voir que ceux qui prétendent être au pouvoir aujourd'hui ont eu à poser des actes. Et ces actes ont favorisé, dans une large mesure, l'atteinte, il y a un objectif,
poursuivi par l'ennemi de la République. Mais ce Félix Tshisekedi, en allant signer des accords, dans l'idée, d'après Yé, il y a qu'une solution, il y a qu'une mettre fin à la situation et à la partie S, peut-être qu'il n'avait pas compris la portée, les objectifs poursuivis, mais ce qui est vrai, il était conscient de ce qu'il faisait. Et ça dit que a signé un accord, et ces accords ont permis aux ennemis de la République de se retrouver dans le sens d'une sorte de légalisation de leur démarche. Parce que quand ils étaient avec Laurent Désiré Kabila, les gens ont dit qu'il y avait un accord. Oyoya Signaki Babengaki accord de l'Emira. Voyez-vous? Cet accord de l'Emira, Oyo Bandeko Ebele Bamona Yango, Bazako Lobake a Signaki Yango avant Akoma président. Et donc, cet accord ne pouvait pas engager la République parce que la personne qui l'avait signé n'avait pas qualité. Laurent Désiré Kabila, comprenant les enjeux, parce qu'à l'époque, la personne la plus influente, Ezala qui le président ougandais, Beni, Abandaki Kosengana, Laurent Désiré Kabila, a respecté l'accord. Comme Laurent Désiré Kabila Boyaki, ne pouvait pas engager l'État parce qu'il n'avait pas qualité, cet accord ne pouvait pas être appliqué. Mais aujourd'hui, avec les accords signés par M. Félix Tshisekedi, Ezali Bakor a signé au nom de l'État congolais parce qu'il est président, bien qu'un président de fait. Donc, ce sont ces réalités qui nous imposent aujourd'hui de réfléchir à deux fois afin qu'elle puisse éviter qu'on se laisse emballer par des émotions parce que là, nous sommes en face d'une situation qui exige à ce que nous réfléchissions très bien. Ndekonangaï, M. Félix Tshisekedi, effectivement, a signé des accords. Il a signé des accords avec plusieurs pays dans la bilatéralité. Il a aussi signé des accords dans la multilatéralité parce que là, c'était dans le cadre d'une organisation. Aujourd'hui, par exemple, l'accord qu'il a signé à Nairobi, Ezala qui supervisait tout ce qu'il a fait, c'était supervisé par qui ? Par EAC, qui est une organisation sous-régionale. Voyez-vous ? C'est-à-dire que ça a une portée internationale. En tout cas, désolé, il y a un sérieux problème, il y a connexion. Je crois que nous serons astreints. Il y a qu'on basculer vers Facebook parce que là-bas, vidéo au moins, ils ont ça et maman a bien par rapport à YouTube. Mais j'aurais souhaité que ça, la maman, parce que Bandeko Ebele, Bazana YouTube, Bazana Facebook. Nous sommes appelés à continuer. Espérons seulement que écoutant bien, beau aimer, beau partager, beau s'abonner, ça sera déjà une bonne chose. Alors, nous disions que ces accords signés par M. Félix Tshisekedi en tant que président de la République s'imposent à nos institutions par le fait que M. Félix Tshisekedi a signé au nom de l'État. Ce qui est mal, les alliés, Batuo Bazali proche naé, c'est-à-dire que le parlementaire congolais, ba pesi avis favorable na bango en signant, en donnant une loi de ratification, c'est-à-dire qu'il y a azali na moi gage, azali na caution, oye pesamélié par les autres institutions qui sont caporalisées, ce qui fait que nous serons en difficulté de ne pas respecter ces accords sans qu'il y ait de conséquences. Donc, le maladresse d'un seul individu est coquille qu'on mêma toute une nation, il y a qu'on connaître une situation fâcheuse pendant plusieurs années, juste parce que la personne qui a signé les accords, peut-être ne mesurant pas la portée de ce qu'elle a fait, et commis les locaux pesés sur l'État congolais. Ce qui est à l'acquis, que Mouto a signé qui va accord, va tirer dans les autres institutions, va démontrer qu'il n'avait pas, elle n'avait pas qualité, eh bien, on pouvait mettre fin à cette fin-là de signature des accords de manière irréfléchie pour que tout se lance, n'est-ce pas, tout se lance cette fois-là dans un débat citoyen
afin de voir comment faire sortir notre pays de ses guet-apens. Mais fort malheureusement, M. Félix, étant l'autorité dite morale de la majorité parlementaire, eh bien, il est protégé par le Parlement, qui devait en réalité faire obstacle à la démarche Oyo, M. Félix Tshisekedi, à Mémé Bissot, en signant des accords Oyo et Mémami, à niveau de la communauté internationale. Bolanda, qui ministre en charge des affaires étrangères, il y a Belgique. Alobi, qui boy. Alobi, et loko bango bako yuko sala. Bien que Félix Tshisekedi a ebisa ki bango, et loko nini ya lingi ba sala pona peite, et loko bango bako yuko sala, ezalika kaya ko accompagné ba signataire ya ba accord dans le respect ya ces accords là. Oh, le respect ya ba accord, et la kisi ke biso, toza ko sala makambu pour plaire ya ba, ya ba, ba, ba. Ba Rwandais, ba Ougandais, ba Burundais, ainsi de suite. C'est ce qui veut dire que cet accord est yébani au niveau international. Et donc, il faut que Batunabiso, bala qui s'alore bonne foi, y a co-respecté. Ces accords n'ont pas été signés dans le respect strict de nos intérêts et de la procédure telle que l'exige la Constitution. Et donc, voilà, là, nous sommes en face d'une situation fâcheuse qui demande à ce que Bisso, na côté na Bisso, toye ba ko pose ba acte au Esengeli. Mais en même temps sur terrain, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution parce que déjà boye ba au départ que quand M. Félix Tshisekedi a mis Kotisaki na makambu na ye wana a koluka ba solution na situation. Le M23 n'existait pas. Dans la liste, il y a groupes armés. Oyo et Sengakina Ye, M. Félix Tshisekedi, a décrété état de siège. A Luka, a Salaba Makamoui, a Salaki, le groupe M23 ne faisait pas partie. Il y a liste, il y a groupe Oyo et Salaki qui posait le problème Nambo Kanabiso. Mais aujourd'hui, le M23 a Ye. Dans les accords signés par M. Félix Tshisekedi, dans le communiqué final, Oya Sinyaki, Ezana Nairobi, Ezana Luanda, on ne considère pas le M23 comme un groupe terroriste. On considère le M23 comme un groupe rebelle. Et dans ce groupe rebelle, Bazako Mona Bango, le Kola Bazali de bonne foi pour que va mettre fin à la situation parce qu'on leur avait demandé de déposer les armes et Bango Bazako le qui sont prêts à le faire. Et donc, EAC ne pourra pas les attaquer dès lors que Bazako manifeste volonté. Mais ce fait, c'est que dans ces accords, en signant les accords, a pessi pouvoir, n'est-ce pas, na EAC, il y a qu'au gérer pratiquement, il y a qu'au gouverner pratiquement toute la partie où ils allient la situation sécuritaire. Bazako zwa une bonne partie à Congo, bango bako géré yango. C'est leur administration qui va fonctionner dans cet espace où Bazako benga ba zone tampon. C'est-à-dire que l'État congolais n'aura plus la maîtrise de cette zone qui va aussi sa réinsertion. Il y a un 23 dans notre société. Dans ces moments-là, ne bako ta la sécurité éventualité, il y a que zone c'est la biso mboka. Bato ya EAC, bazako tala kaka groupe armé M23 te baota tous les autres groupes armés, yango moni dans leur démarche, bazako pèse plus importance na M23 parce que bazako considérer que M23 d'aller plus organisé comparativement à Bato Batikale. Le cola monsieur Félix c'est que la banda kaba pour parler avec les autres groupes armés. Ba Makanika, Ozui, ba Mai Mai, Ozui, ba Kodeko et consort, eh bien, pour EAC, M. Félix Tshisekedi a continué pour parler na Batouana, à Lukako résoudre le problème par devoir, ou voie politique. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi est en train de négocier avec tous les autres groupes armés. Dans la plupart des cas, les groupes armés, ils allaient ba groupe moro communautaire. Bazali ba groupe moko bazako se créer pour se défendre mutuellement. Okomona
ba tuchi hein ba comment on les appelle ba banya o ba benga ba banya mulenge bango ba na ba groupe na bango baza ko se défendre boyoka ki kutu ba sita ki Moïse na Ugabo na Zay Azarias Rubewa ki ba soutenaka un groupe armé oyo azwaka bango en charge et vous souviendra ba sécurisaka Rubewa quand il était ministre de la décentralisation et la délégation ba sécurisa ba onta ba kenaka ko installer le bourgmestre à Minembwe. Voyez-vous? Donc, ce groupe Anna, va négocier avec le pouvoir. Et pour tous les groupes, Senga va respecter le cahier de charges. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en négociation, il y a le rendez-vous du donner et du recevoir. S'ils doivent déposer les armes, il faut que vous leur donniez quelque chose en contrepartie. Tellement qu'ils cherchent la sécurité, il faut que vous réconciliez Bango, na Batu, oh Bango, Bango, Bunda contre Bango. Ce qui veut dire que, na niveau ya Sud Kivu, vous remarquez que ba Rwandais, oh yo, basé panabiso, basoa minuki, pour que Batika Kubunda, il faut vous reconnaître Bango en tant que ba Congolais, pour que Bango Batika Kubunda. Parce que Bango Nabino, soit to vivre ensemble en paix, soit to koufa comme des lâches. Ça, c'était leur propos. Et donc, M. Félix, c'est qu'il y a une posture. Il y a qu'au Luka, qu'au servir, il y a qu'au répondre, n'a pas déshydraté à tous les groupes armés selon l'esprit. Il y a Bakor, Oya, Sinyaki, et là, en Nairobi, et là, en Luanda. Et la communauté internationale a acté. Oye, Tali, déploiement, il y a EAC. Monsieur Félix, c'est qu'elle vous avait dit que ma troupe kenyane, Bakoya, pour frapper le M23, Bakokot a parti à Bounagan. La suite des événements, il a dit qu'il avait menti. Batouana Bakota a parti à Bounagan, et puis Tilelo, aucune troupe n'a attaqué M23 jusque-là. Alors, regardez maintenant la cartographie opérationnelle tel que va présenter Ango jusque-là. Aujourd'hui, troupe ya EAC, nenge ba kabola, Uganda, azali proche ya Bounagana, ye akokipe makambu ya Bounagana, Kiwanja, Mabenga, wana ezali Uganda, nde ako s'organiser pour gérer cet espace-là. Kenya, na Soudan du Sud. Bango bakozwa Bwiza, Kishishe, Rumangabo. Bango, en tout cas, désolé, un petit souci de connexion. Soko Tali, Burundi. Burundi akozwa Kichanga, Kiloliwe, na Mushaki. C'est-à-dire que vous êtes là en face des pays, des États membres de EAC qui se sont partagés des tâches. Chaque pays a un espace congolais qu'il aura à gérer sur le plan opérationnel, sur le plan administratif. Team Koloba opération et aussi là. C'est-à-dire que vous êtes là en face d'une situation fâcheuse, une situation oyo et ça qu'on se heurte à la volonté. Il y a que ça là, c'est que nous ayons une seule autorité dans notre espace. C'est-à-dire que là, nous sommes en train, nous avons cédé une partie de notre territoire Namaboko Yabatu ya EAC. Parce que Bazali n'a pas ça, d'après M. Félix, c'est que Nenga Lobina Bango, Baya pour résoudre le problème congolais. Nous avons bradé notre dignité. Nous avons bradé notre dignité. On a laissé aux autres États de gérer notre espace. Mais en même temps, ces États-là qui viennent, ne viennent pas pour se battre. Baza Kozela, chaque fois, ceux qui M23 a libéré espace, Bango Baye Bafandi, pour que Basala Yango. Et dans leur réalité, dans ce qu'ils font, chaque fois que le M23 arrive quelque part, il faut que la MONUSCO sorte. Ceux qui MONUSCO a longué, Bango va s'imposer, tant que Bango commence à niveau de la négociation, eh bien, Bako Yasiko, Bayeko remplacer na EAC, na force mutualisée,
pour que baye ba komene ba opération, il y a réinsertion ya M23. Donc vous allez se rendre compte ndenge tozalia wa, il y a des gens qui sont au service, c'est-à-dire que le M23 fait le travail en amont, il y a EAC. Donc EAC a plus à gagner en soutenant le M23. Parce que le M23 est en train d'élargir le champ d'action. Il y a EAC. Parce que le principe, Ezali, partout où le M23 passe et qu'on a la gestion, il y a EAC. Donc, EAC a plus d'intérêt. Il y a qu'on soutenir M23 pour que M23 a ratissé large, a zoa espace et belé le sous-sous pour que Bangope baye bako se partage ba espace ouana en matière de gestion. Et pendant qu'ils sont là, l'administration congolaise n'a pas l'autorité dans cet espace. Elle ne peut pas décider pendant qu'ils sont là. Boko y est commis na maboko ya EAC. EAC n'est à couper sa orientation. Le droit et liberté, il y a toute la population qui va vivre là, et ça va dépendre de l'EAC. C'est-à-dire que l'administration qui va gérer tous ces espaces-là, tous ces territoires, est alliée EAC. Ce n'est pas l'État congolais. Et Nakati, le gouvernement congolais, il y a Mupanzi, EAC, Nakati Kati, M23, Nassima. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que EAC n'a pas de raison de combattre le M23 aujourd'hui. EAC va plutôt préférer à ce que le M23 a continué davantage. Pour ce qui va avancer, va jouer tous les territoires du Nord Kivu. Bango va causer la privilégier. Pourquoi? Ils vont gérer toute cette zone-là. Parce que partout où passe M23, EAC azan a droit, Yakoufanda et Sikawana. Ce qui veut dire que vous trouvez là une situation qui favorise ceux qui prétendent venir chez nous. Il vous souviendra que à une certaine époque, et je crois même jusqu'à aujourd'hui, la population avait fustigé la complicité il y a MONUSCO. Balobaki, non kunda, no job. C'est-à-dire que bato baya ki na cadre ya MONUSCO. Baya ko comprendre que plus il y a de groupes armés, plus ils sont là et plus ils continuent à exploiter nos ressources. Ce qui veut dire que ce sont les mêmes personnes au baya ki ba lo baki ke baye po na ko sunga biso. Eux-mêmes ont trouvé un espace ya ko ça la ba faire. Ba komi ko sa ba trafic, y a ba matière précieuse na biso de manière illicite, parce que ce sont eux qui étaient le maître de ces espaces-là. Et donc, aujourd'hui, avec EAC a d'ailleurs la possibilité, n'est-ce pas, de gérer cet espace, et ils peuvent même encourager M23 à ba kisali sous ba espace, à loukaye sous ce sika ba minere à bien ezali. En ces moments-là, ce ne sont pas nous qui allons gérer, mais ça sera les pays voisins. Alors dites-moi, si on est Ouganda, va gérer Bunagana, Kiwanja, Mabenga, et Ali Bamboko, et Ali non loin à la frontière, naï. L'État congolais ne sera pas là-bas. Voyez-vous? Ce qui est ce qu'on a exploité, la ressource Nabiso, a la facilité à ce qu'on a fait. Ce qui veut dire que là, nous assistons là à une sorte de balkanisation progressive. C'est-à-dire que d'abord, de manière méthodique, ils prennent une partie, on donne à l'Ouganda. L'Ouganda est le seul maître. C'est-à-dire qu'un seul pays qui supervise toutes les opérations dans des zones où ils allaient proches naïe. Peuple congolais, s'il vous plaît, téléma. Au moment que l'alo tozo lala, oh bozo lala wana, eza ko bomamboka. Est-ce que vous avez imaginé? Ouganda, aza ko zaba territoire pembe naye. Mais l'État congolais n'a pas le droit de regard, n'est-ce pas, Swat?
bango ba ko gérer. C'est-à-dire que toutes les ressources oui, qu'au résultat, na période où bango bazawana, ils peuvent profiter pendant ce temps-là, il y a ko bimisa biloko na mboka na bango. Baza ko bimisa biloko na mboka na bango. On donne na Kenya, na Soudan, Kisha, Kishiche, Rumangabo, bapesi bango. C'est-à-dire que le Soudanais, bango baza ko ya na espace wana, eux aussi vont mener des actions dans cet espace. Ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Ils ont la possibilité à Kobima, mais bako kabolana à Kenya. Parce qu'il est parti à Kenya, ne bako lukaba te kango, indien. Donc, boza ko mona, comment notre pays aujourd'hui est kabwani. To bakabole libisomboka. Mutu na mutu aza ko gérer, oye aza ko gérer. Bakabole libisomboka. Mais batu ba o comprendre te. Ndeko nangai. Joa numéro. +243 97 034 58 78. Joa numéro benga. Tozali na posa. Mutu nyonso esika azali. A comprendre ce que nous disons. À comprendre. Est-ce que M. Félix est qui a Zakoyeba? Que Bounaga, où est Zali Pembeni à Ouganda? Et qu'on a la gérer par l'Ouganda? Est-ce que M. Félix est qui a Zakoyeba? Que ce qui est 23 Zouaki, Bounaga a facilement parce qu'il a utilisé qui? Ouganda comme base arrière? Est-ce que M. Félix est qui a Zakoyeba comprendre? Et là, on est enseigné tout ça. Tout comme un papier, tout tine la yé? Alingi to bimana barabara to silika po comprendre bola mwisa Félix Tshisekedi bino batubolo bakara bolinga kae bola mwisa Félix Tshisekedi atu na malamu plan opérationnel ya EAC atu na malamu la responsabilisation des états membres bola mwisa monsieur Félix Tshisekedi parce que mboka ekende mabe M23 a sali Moussala au Tindaki avec la bénédiction de tout le monde. Mais maintenant, là, Marini va passer à procéder sur une exploitation à grande échelle. Ils veulent maintenant accomplir ce qu'ils voulaient. Bakoti na deuxième phase, troisième phase, où ils permettre que ma femme ne s'appelle Makambo. Comment vous pouvez couper sa responsabilité à Bounagana, na Ouganda? Alors que l'Ouganda a l'air très proche. Mboka e kende mabe. Yamona osenga bandeko na biso. Bino batu bolobaka. Bolinga rafeyi sekedi. Bino batu bomona kaye mutu a malonga ou bozo mona ke batu fo ba respecte. Allez lui dire. Il n'est pas encore trop tard. Asa la effort. A se ressaisir. Asa la erreur te. Yako tika batu ya EAC basala makambo yo o balio kanaki na yewana. Parce que là, le pays a ko connaître situation moko très fâcheuse, ça risque de mettre mal les intérêts de la République. Et donc, toza koloba, na bande konyoso balingi ko benga, boko ki ko benga, toza ko fungola téléphone, boko yu ko benga appelé, ou à Monique Kalingi à intervenir, à Koki Kobenga, on est là et on va tenter de vous accorder la parole pour qu'ensemble, Toyeba, qu'on résoudre notre problème. Armée EAC, ba Mikaboli, ba zone, Ouganda, à Zana, ba Mboka, ba gérer. Burundi a na mboko ya ko gérer ba mikaboli ba zone par rapport ya nenge baza ko ya le nombre ya ba militaire baza ko ya eza mukie par rapport ya ba nombre ba militaire obisu toza na capacité à ko déployer dans ces zones là mais ba zone bango ba kozala fa DC a kozala te entre guillemets M23 a kozala te ce qui veut dire que ba otike la bango mboka na biso ba gérer tant bango ba kozala eyebani te.
makambo bako sala na kati kuna biso na yoto yebite mendenge nini bako yuko tika bango bafanda na mboka na biso to tike la bango alors que soko tangi article 214 ya constitution on ne peut pas laisser notre espace entre les mains des individus ou d'un état quelconque sans que le souverain primaire a décidé. Sans que le souverain primaire a décidé. Peuple congolais, telema, mbokezo kende mabe. Peuple congolais, telema, mbokezo kende mabe. Tozali na droite. Yako bebi sa héritage ou ba papa na biso ba tike la biso. Tozali na droite. Yako tika bato ou ba sakana na mboka na biso. Peuple congolais na zako ebi sa yo telema. Vous avez imaginé là où mboka na biso l'état congolais n'a plus d'autorité batwana baye mboka sur le plan opérationnel mutuna mutazu ba mboka o ya géré peuple congolais mekana nous ko imaginer et le koni ne ko sale mana espace wana bon mekana ko imaginer ba condition de vie ba peuple congolais sika bazali et ko sala ke bazo ba profiter na occasion pour que ba endoctriné bandeko bazakuna ba pousser bango ba kompalinga ba koma kolinga kokota ko baza la nexe na bamboka wana po na nini toza ko telemate po na nini to telemate ndeko nanga aimé partager et kozala vraiment malade numéro ezali plus 243 97 034 58 78 Bandeko babenga ki avant to banda, je crois que vous avez là la possibilité yako rappeler pour que toyeba ensemble ko échanger. Ko benga na numéro o yangaite, benga na numéro o naza ko pesa. Plus 243 97 0. Voilà, toza ko senga na bino. Bo banda ko benga toza ko zela ba appel na bino. Toye bako solola soki ozali na information moko o lingi o bakisa na information topesi soki ozali na possibilité yako baki yako contredire ce que nous avons dit eh bien l'occasion vous est donnée bosa la yango ça ne sera que de la démocratie nous avons besoin effectivement il y a échange na biso et salema dans les respects des uns et des autres. Et donc, nous refusons pas la contradiction, mais tout ça, vous êtes en abino pour manifester au plus vite. Oye alingi kobenga, akoki kobenga, pour qu'ensemble, qu'on partage. Tout ça, qu'on rappelle, parti nabiso, levons-nous et bâtissons. Et allez, parti à idéologie progressiste. Tout ça, un parti qui se bat pour la territoriale pour la défense de la dignité de l'homme congolais et Tozako Bunda pour un développement intégral. Alors, Mouto Alingi, comme membre, Mouto Alingi, comme membre de notre parti, eh bien, Azali na possibilité. Yako kota na site na biso lebatinfo.net. Lebatinfo.net est le site oyo koki ko s'enregistrer to facilita kibino déjà makamo parce que au départ ezalaki que po o s'enregistrer ba pandai koyé ba différence te entre fédération, section, sous-section, cellule, sous-cellule to expliquer à moi déjà à partir à site pour que mututa ngaza ko s'enregistrer azala na facilité Yako s'enregistrer et là, Ezali, grâce à jeunesse, Nabiso est parti, qui a travaillé avec une entreprise et je crois qu'il est temps pour nous tous de participer. En tout cas, merci Namoni, Bandeko Bele, Bazako réagi, devenez membre et allez battre, ça serait déjà une bonne chose pour Nabiso, Toye Bako. Kozoa bino, toko enregistré bino, le kolaba membre, lebatinfo.net. C'est un parti de révolutionnaires, un parti d'avenir,
un parti pour le développement. Ils allaient constituer essentiellement par les étudiants, Tolinga qui t'ont formé bango pour que t'ont préparé à venir. T'ont pèsé bango des valeurs, t'ont pèsé bango la connaissance qu'il faut afin que à ta biso ceux qui t'ont allaité, baillez bah qu'on continue. Beaucoup mon ango rare, ils allaient rare de voir un parti créé essentiellement par des étudiants. C'est très rare et nous avons fait la différence. Nous avons voulu assez que ces partis soient constitués par des jeunes pour que tout le monde atteindre cet objectif. Nous avons surpris le membre fondateur le plus jeune de notre parti, Aotiko Kokisa, 26 ans. Et dans la plupart des cas, Bazali, jeune, Oyo, Bazali, Naba étudiant, Naba coopérant, mais tous huit ans qu'on formait Bango, y a qu'on met ma Bango, baye, baba comprendre la question de gouvernance, baye, Bango, tous d'accord, c'est un abino, peuple congolais, devenez membre à Lebat, lebatinfo.net, en un mot. Lebat, lebatinfo.net. Ezali, le lenge oyo ko ki ko koma membre. Na kati kuna, okomo na possibilité à cause à la membre sympathisant, membre effectif. C'est na partie à WhatsApp n'yoko yoko benga. Benga na WhatsApp. Ko benga, na ndenge bozo benga wana ekole kate. On ne saura pas vous prendre. Benga na WhatsApp. Et ça ne sera que cause à l'occasion. De Gonanga Kobenga na Benga na WhatsApp Toche. Allô. Oui, bonjour. Oui, toza en direct na YouTube, na Facebook. Là où je suis, je sais qu'il y a difficulté que non a d'avancer tout que n'a de compliqué là. Même prochainement, je vais faire un effort comment participer pas de me pousser là vraiment je suis en train d'apprécier ça. Ça nous réveille à un moment donné parce qu'il y a je ne sais pas, le peuple des Congolais. On rêve d'autres choses qu'on ne peut pas rêver, donc pas à autre chose qu'on ne peut pas penser. Ah, ok. Merci beaucoup. Donc, merci alors. Ah. Là où je suis, donc vraiment pas moyen de vous rappeler, mais peut-être prochainement, je vais faire un effort de participer. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Voilà. Ndekorandaï Kobenga. Après, a commis la difficulté parce que a zayé na place où a koki ko solo la te. A moi, je vous appelle Moussousou. Allô, bonjour. Allô, monsieur. Bonjour, journaliste. Vous pouvez se présenter, Nadal Journaliste. Vous pouvez se présenter, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. C'est la famille Mayo qui est éprouvée. Hein? Ah, ok. Mayo, oh, na tchaki na Facebook, oh, ya ndeko akufaki. Bon, oh, babo maki. Ok, l'accident a eu lieu le 30 janvier 2023 aux environs de 18h. Ok. Contre le contexte présentiel, les victimes, monsieur Mayo Poul Emmanuel, père des trois enfants. Est-ce que moi, Eza, oh, le baron na lingala, parce que tout ça, la ni na lingala. Chez Nalingala, ma belle zate, n'a pas le bâton Nalingala. Ok. Père de trois enfants, Akoufa qui se place. Au revoir, expliquez bien sur nos circonstances. Et là, qui négocie, s'il vous plaît. Et là, qui négocie. Parce que toi, il y a ceux qui cortègent, il y a un président de la République, il y a au Tamboula, il y a la canaba moto, il y a éclairé, Liboso, Mitoukanae, il y a Kandé Nassima. Oui, qu'on expliquait biso et salama kindengeni. À tout temps, nous tout caliboso, toi à tout temps, nous tout casima. Pour tout comprendre. Merci beaucoup, papa. Ezaki, dernier fort de Yasuka, le cortège tangole qui est au matin vers l'aéroport pour nous. Et c'était le 30 parce que nous rejoignons une délégation Yapap. Ok. Alors, tangole, oui, le cortège est mati. Alors, oh Yasuka, il y a Kanisaï qui est ici, le cortège est ici. Nous sommes en fort de blindé. Moko Yassi, mais la sécurité. Tant il y a Mekou s'engager, oh là là, fort de ramasser. C'était dans ce sens-là. Alors, au niveau Mikondo, juste, croisement, nani Funga, boulevard. Itek, référence Itek, hein.
C'était okay. Là. Chico, hmm. Après, Basayeni. À Koufak sur place, alors corps, exactement, on a un mort, corps, et ça, mort, il y a hôpital de référence. Nana Memi, corps, Kuna. Corps, le maquis, c'est sur là, c'est les roulages, il y a ça, les constats. Ok. Bah, le bas. Ok. Donc, c'est presque ça. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire hein? Depuis ce temps-là, il n'y a pas de mouvement de la part de l'autre, de l'auteur de l'accident. Mais il est certain que la solution à ces propos sera bientôt trouvée, étant donné que le président de la République, son Excellence Tshisekedi Tshilombo, ne cesse à résoudre les problèmes de sa population. Donc nous ne voulons pas que de mauvaises langues profitent de cette situation. Vraiment, que la justice soit faite. C'est la part de la femme. Je vous remercie. Ah, ok. Donc, M. Félix, c'est que bah, toi, service à Félix, il y a M. Félix, c'est que Bayebi qui a tiré Salamagi. Oui, Bayebi, parce beaucoup que. Beaucoup de temps, il y a la caméra, Zali. Beaucoup de temps, il y a un abonnement. Oui, il y a déjà des pourparlers. Ah, ok. Donc, Bandimi Kokunda, alors. Bandimi Kokunda, Ndegwana Kufage. Bakobo ya Kokunda, parce que les gens sont là qui va être victime, mais ça vient à Kunda, va être bimbe. Hey, Ndegwana, toi, n'a pas ça précision. Bosololi, Bandimi, déjà, qui va au Kunda, ou bien Bino Bokanisi, qui va au Kunda. Non, ton solo qui est déjà très bien. Ton solo là qui. Ah, Bosololi, n'a pas tu ya présidence, Bandimi, qui va au Kunda. Oui, ton solo qui est déjà. Ah, ok. Ah, donc, le problème est sous-souté à part Ndenge to père d'Endeko. Non, vraiment, Ndenge to père d'Endeko, c'est un bon moment. Peut-être la moto, ça qui n'a pas été accueilli, ça n'a pas été mené. Que le rendez-vous, ils ont bien compromettre, mais que ça les a mieux. Allô? Ah, donc, il va promettre Bino, mais au moins, le logo va saliter. Il va promettre Bino. Non, mais ça, il n'était pas tout conduit là, non, t'es corps, ils ont la. Quand ils ont la mort cassée, même jusqu'à l'audit lundi, toujours on a rendez-vous, toujours c'est la bango. C'est quoi, à rendez-vous, ils ont fixé mon corps. Dans l'audit, nous sommes dans les patients, ils ont la cuisine interne à la bango, ils ont la médecine à la bango, on peut nous appeler tout à l'heure, soit demain, nous attendons. Ah, ok. Ok, alors, c'est bon, c'est déjà bien. Le quoi a déjà bon Monique Bazana de bonne foi. Ça sera c'est déjà une bonne chose parce que et là ils a pas ses alliés ils a papa tiki bana misato bien entendu que les sabango certainement ils a peine à bander que balingaki bah peine à poser bah kundaye na lokumu ceux qui bango bah moni peut-être bah ça prêté bah koki ko libérer corps bino bokundi bah on besoin c'est ma bien bah kundaye avec dignité pour ça congolais ça peut m'oboti voilà. Merci en tout cas. Vraiment, je vous remercie beaucoup, vraiment, Papa Ale Bolodja. Vraiment, la remercie au Mingi. L'implication, vraiment, on cesse de rester vraiment reconnaissant envers vous. Ah, merci. Je vous remercie comme un même membre. Tosepeli, merci. Et l'autre, Togolobaka, tu présentes ma condoléance, ma famille. Tu es bien que vous perdez une dépôt, vous n'allez pas si. Vous avez un courage. Et là, on a pensé à un moko à l'aise dans le Sengabino. Vous avez charge à Bana, s'il vous plaît. Vous avez charge à Bana, ma père. Oui, oui. Et vous avez pensé bien. Oui, oui. Et vous avez pensé bien, vous avez charge. Ce qui vous salue en haut vraiment dans le Sengabino, c'est ma casse. Merci, Ndeko. Merci. Vraiment, là, c'est le Makassi. Vraiment, je vous dis tout simplement que Charles Jabane, c'est la préoccupation d'abord. Ce qui papa Aza, responsable de la cadre, il y a enseignement et éducation des enfants de la rue. Comment, pour quelle raison, Urbana a dit ce mot qu'on est ici? Ah, voilà. Nous sommes dans une famille chrétienne, une famille vraiment éduquée, une famille cultivée. Ah, là, c'est déjà un bon signe. Merci, hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous remercie. Voilà, bien que ce n'était pas vraiment le sujet, Ezali, un dossier que j'avais partagé dans Facebook, dans Twitter. Voilà, la famille Azui a bengi ponako pour faire passer son message. Comprenons. Alors, eloko tobandai koloba poto silisa, tobandai koloba que
peuple congolais, il faut être là prudent, être là exigeant par rapport à la situation que nous vivons là. Totika kolala. Mboka oyo eza ko kende mabe. Omoni mutu msuzo oyo ko mona ye aza conscient. Boka nsa ke aza toutes ses facultés ya ko yeba makam. Il y a des gens comme ça mais ils ne sont pas capables de comprendre. Voilà pourquoi nous vous demandons à vous peuple congolais botelema botika kolala. Bakaboli ba zone opérationnelle na contre ya na compte ya beaucoup moins c'est comme pas comme si naibi keza boye baza ko récompenser mutu na zone ezali profitable na ye en mala moko boko comprendre les accords signés par monsieur Félix Tshisekedi. Monsieur Félix Tshisekedi a signé des accords ya kotonga banzela et consort botala mboka o ba ngai ba tonga banzela yango wana Uganda ji mboka o ebonga ki ba tonga ba chemin de fer tout ça zo Burundi azui. C'est-à-dire que ba sali strade ezali continuité. Ce sont des accords déjà signés. Makamunyoso tona yo kaliboso o ezali des mécanismes à concrétisation. Yango to senga un peuple congolais atele mahala muka atika kolala. Parce que là tokoyi ko encourager angote en tant que ba nationaliste, en tant que ba patriote. Voilà. Et loko esengela ki na biso to loba na mukwa lelo yango wana parti na biso levons-nous et bâtissons ezali parti à changement ezali parti à ba révolutionnaire ezali un parti à tendance idéologique progressiste tozali bato toza ko mema na posta binonyoso boko ma membre et ça ne sera que une bénédiction pour nous. Lebatinfo.net. Mutu oyo alingi ko participer na ba réunion na biso. Chaque 16 heures à partir ya chaque dimanche à partir ya 16 heures tous à la kana réunion ndenge to lo baboué tous au ko ta réunion te convie bino beau participer. Merci à vous.